temps. Oui, en priant nos hôtes de bien vouloir m'excuser, mais c'est simplement pour regretter qu'à la même heure, le même jour, il y ait des auditions qui soient faites par la rapporteure pour avis oui. de la commission des affaires sociales, puisque à 18h, il est 17h50, vont commencer des auditions à quelques pas d'ici de la salle 7044 d'une association réflexion et partage et à 19h du directeur de la sécurité sociale. Donc c'est pour insister à nouveau sur la mauvaise qualité d'organisation du débat. On avait déjà la partialité des auditions qui devrait être confirmée encore aujourd'hui d'ailleurs, mais là on a maintenant des auditions simultanées qui sont vraiment un empêchement dans l'organisation de ces débats que nous pouvons déplorer. Je vous remercie. Ça n'est pas un empêchement et je ne souhaite pas répondre à la place de Marie-Françoise Clergeot, mais si elle nous rejoint à la fin de ces auditions ou lors de la prochaine audition, nous lui laisserons le soin éventuellement de vous répondre. En tout cas, je lui poserai la question, je transmettrai votre remarque,